Alors un petit bilan comme il se doit. Donc je vais vous montrer mon corps, mais vous inquiétez pas, mes parties seront cachées par des bandes. Je vais vous montrer donc mon corps après la sleeve, le changement. Il faut savoir que je me suis fait juste opérer le 4 avril 2017, donc c'est très récent et vous allez avoir une perte mais incroyable de mon corps, et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé, et que physiquement le visage a changé mais tout le reste avec. Et je vous laisse découvrir donc la vidéo de mon corps, et ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas mes parties. Mes chauves-souris, donc vous voyez, ça a beaucoup changé, c'est là. Donc je travaille avec deux crèmes, je travaille avec celle-là et je travaille avec celle-là pour raffermir ma peau et pour hydrater ma peau, pour aussi à côté de cela enlever la peau qui pend. Donc avec celle-là ça a très bien marché, et avec celle-là voilà. Donc en fait j'utilise celle-là en premier, j'attends, je laisse agir, j'attends que ça sèche bien. Et j'utilise ça là. Et dans à peu près 9 mois, ma peau sera refermée. Ça là, Carrefour. Non, Leclerc, ça là. Ou Carrefour, je sais plus. Ça là, pharmacie. Ça là, elle coûte 15 ou 16 euros. Et ça là, elle coûte même pas 8, 9 euros. Quoi. Elles sont vraiment pas très chères, quoi. Pour ce que c'est, sachant que je les ai depuis l'opération. Donc. Il en reste encore, malgré que je l'utilise souvent, il en reste encore. Et celui-là, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, il en reste aussi. Hein, vous voyez peut-être qu'il est peut-être vide, c'est dans la même consistance. Et c'est en spray. Et celle-là, en fait, celle-là, elle est bleue. Et celle-là, elle est toute blanche, mais elle est vachement épaisse. Et je vous conseille ces deux crèmes pour la préopération, pour retondre une peau. Ou vous avez perdu des kilos, vous voulez raffermir votre peau. Les deux sont nickel. Celle-là, c'est la pharmacienne de mon village qui me l'a conseillé et elle est nickel. Celle-là, c'est mon chirurgien qui m'en a parlé. Et je peux vous dire que les deux, elles fonctionnent parfaitement. Si je suis nue, c'était pour vous faire une vidéo, pour vous montrer le avant-après. Je n'ai pas de complexe sur mon corps à part mes bras et la peau qui pend. Sinon, je n'ai pas du tout de complexe. Je prends la salle de sport la semaine prochaine, donc cette semaine. Jeudi, j'ai rendez-vous à la salle de sport pour donner mon certificat médical et du coup, j'attaque aussitôt. Il faut savoir que j'ai à peu près encore plein de kilos à perdre, malgré que j'en ai perdu quand même 67, et c'est énorme 67. Je vous ferai, je vais vous faire montrer. 67 kilos, c'est énorme. Il faut dire que on n'a jamais. J'ai jamais perdu autant de kilos. Mon maximum, ça a été 10 kilos. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est mon. Voilà, mon parcours. Donc, l'opération, elle est là. Et moi, j'en suis ici. Donc, là, je suis sur un palier. Donc, on va faire au moins. Voilà le palier au moins. Donc, il faut savoir que j'ai été pesée sur deux balances. Donc, là, mon médecin traitant et mon nutritionniste. Et donc, ce n'est pas les mêmes poids sur les deux. Mon nutritionniste, c'est une balance spéciale. Et il me disait que, alors, le 16 octobre, je faisais 115 kg 700. Et le 4 octobre, je faisais donc 414 kg chez mon médecin traitant. Donc, il y a une différence de quelques grammes, quoi. Mais ce n'est pas trop grave, quoi. J'aurais pris 1,7 kg, mais voilà. Donc après, vous avez le parcours sur mon application, le parcours avec les dates, les poids, tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et il me dit donc que j'en suis à mi-chemin. J'ai dépassé ma moitié. Vous allez voir si ça veut marcher, bien sûr.
Voilà, vous voyez à ça là que je suis à mi-parcours et donc vous voyez un peu tout. Donc j'aurais perdu avec mon médecin traitant 67 kilos. Là il dit 65-200 parce que du coup il faut rajouter le reste. Et ils disent donc les progrès sont à 54%, donc ce qui est énorme. Donc voilà, je vous laisse découvrir le reste de la vidéo. Dans la vie, c'est que on change et on prend tous un coup de vieux et c'est très compliqué. Coucou les loulous, je vous reprends aujourd'hui, donc j'espère que vous comprendrez. Donc là, le vlog, c'est un 2 en 1, je pense.